conte des enfants du monde. Nous allons lire l'histoire de Petite Maasai. Petite Maasai. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Petite Maasai. Elle vivait en Tanzanie. Un jour, Papa Maasai lui dit « Maman Maasai et moi, nous partons pour la journée. Nous serons de retour à l'heure du dîner. » Lorsque Petite Maasai vit que ses parents étaient partis, elle se leva d'un bond et dit « Je m'ennuie, je vais aller faire une promenade, une petite, toute petite promenade. » Et elle s'éloigna du village. Elle grimpa à un palmier, puis elle se baigna dans une rivière et joua avec des poissons bleus et jaunes. En sortant de l'eau, elle rencontra un chasseur blond, grand et distingué. Avec son étrange accent, il lui dit « Bonjour, petite Maasai, n'as-tu pas aperçu un éléphant ?»« Non, monsieur, je n'en ai pas vu. »« Oh là là, quelle malchance » dit-il. Et il reprit ses affaires et continua son chemin. Petite Maasai, encore tout étonnée de cette rencontre, alla rapidement avertir l'éléphant que quelqu'un le cherchait. « Merci, merci, mon ami !» répondit l'éléphant en apprenant la nouvelle. « Ce méchant chasseur est vraiment déterminé à transformer mes pauvres défenses en bagues, bracelets ou boîtes à bijoux. Je vais, de ce pas, prévenir mon troupeau. » Sur le chemin du retour, Petite Maasai rencontra de nouveau le chasseur. « Bonjour, Petite Maasai, n'as-tu pas aperçu un rhinocéros ?»« Non, monsieur, je n'en ai pas vu. »« Oh là là, quelle malchance !» dit-il. Et il reprit ses affaires et continua son chemin. Petite Maasai alla rapidement avertir le rhinocéros que quelqu'un le cherchait. « Merci, merci, mon ami !» répondit le rhinocéros en apprenant la nouvelle. « Ce vilain chasseur est vraiment déterminé à transformer ma pauvre corne en un somptueux manche de couteau. Je vais, de ce pas, prévenir mon troupeau. » Arrivée près de chez elle, Petite Maasai rencontra de nouveau le chasseur. « Bonjour, Petite Maasai, n'as-tu pas aperçu un crocodile ?»« Non, monsieur, je n'en ai pas vu. »« Eh bien, tu sais quoi ?» dit-il. « Je m'en vais, on m'a trompé. Il n'y a ni crocodile, ni rhinocéros, ni éléphant. En plus, il y a beaucoup de moustiques. J'en ai assez !» Et le chasseur rebroussa chemin. Petite Maasai courut jusqu'à la rivière et appela le crocodile pour lui raconter ce qui venait de se passer. « Merci, merci, mon ami !» répondit le crocodile. « Ce chasseur s'est mis en tête de me transformer en sac à main et en chaussures de luxe. Je vais, de ce pas, vérifier qu'il est vraiment parti. » Sur le chemin du retour, Petite Maasai réalisa qu'après tant d'allées et venues, elle s'était perdue. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer. Attirés par ses pleurs, une girafe et trois singes surgirent des arbres. « Que se passe-t-il ? » demanda la girafe. « Tu es Petite Maasai, n'est-ce pas ? Un petit oiseau m'a raconté comment tu avais sauvé l'éléphant,
le rhinocéros et le crocodile. Mais pourquoi pleures-tu? Tu es perdu? Allez, grimpe! Petite Massaï monta sur la girafe et grimpa tout en haut de son cou. Arrivée au sommet, là où il fut froid, elle regarda à droite, puis à gauche, puis devant elle. Alors, à l'horizon, derrière la montagne, elle aperçut son village et sa maison. Petite Massaï se laissa glisser sur le dos de la girafe comme sur un toboggan. Et la girafe lui dit « Accroche-toi, ma jolie !» Et elle se mit à courir et à courir entre les arbres. Enfin, la girafe la déposa avec douceur à l'entrée du village. « Au revoir, mon ami !»« Au revoir, girafe !» Et petite Massaï arriva juste à temps pour le dîner.